Monsters Abundance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation complète du Maxum 110 by LBC Modding, hein, donc tout le monde l'aura reconnu, c'est un gaz-IH. J'espère que vous allez bien. Donc déjà, petite précision avant d'attaquer dans le vif du sujet, j'ai fait une petite vidéo montage comme vous avez pu voir, juste avant de voir ce que je suis en train de vous raconter là. Donc c'est la première fois que j'en fais, hein, donc bon, c'est sûr, c'est loin d'être parfait comme Killer Crow, naturellement, parce que lui, il en fait tout le temps. Je me perfectionnerai par la suite, ça, c'est pas le problème. Merci d'être compréhensif quand même avec moi, hein, je veux dire, c'est la première fois que je le fais, je peux pas être parfait dès le début. J'ai essayé de faire au mieux, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour la petite précision. Ensuite, en second temps, je vais parler quelques mots sur LBC Modding, qui est le créateur de ce mod. Hein. Donc, c'est un Maxum qu'il avait en projet depuis un moment, tout simplement. Donc c'est vraiment un tracteur qu'il a retouché la 3D. Hein. Il a retouché la 3D, il a refait le capot, il a refait pas mal de bavioles au niveau de la 3D. Et vous allez voir qu'il a ajouté pas mal de choses sur ce tracteur, vraiment. C'est quand même assez impressionnant parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'LBC Modding, je parle tous les jours avec lui et c'est un modeur. Il est pas vieux, hein, je veux dire, c'est un modeur, ça fait peut-être 4-5 mois qu'il mode, ça fait pas longtemps qu'il est dans le modding. Et il commence à créer ses propres 3D, ses propres véhicules. Et je vous avouerai que franchement, le Maxum, c'est très prometteur. Honnêtement, il est très prometteur parce qu'il a réalisé pas mal de choses. Je vais vous montrer ça. Donc maintenant, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre fameux Maxum. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc déjà, hop, touche R, on ouvre la porte. Classique. Ensuite, touche R, c'est pas ce que je voulais faire. Touche R, on peut enlever l'arceau du jumelage. Si on se rapproche, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà, on peut le remettre, on peut le jumeler, comme vous pouvez voir. Hop, si vous êtes assez en arrière, il vous le met, si vous avancez, il enlève l'arceau, tout simplement, voilà. Ici, on peut enlever également les garde-boue, donc tout ça se fait avec la touche R, hein. C'est rien, vraiment rien de compliqué. Ensuite, ici, touche R, hop, on enlève le bâti du chargeur si on le veut vraiment en tracteur pour semer, préparation de sol et tout ça, voilà. On peut noter également qu'il y a un espacement entre les roues de jumelage qui sont bien faites, parce que certains tracteurs, on peut voir que c'est collé, ça fait dégueulasse. C'est vraiment un joli petit mode, hein, vous allez voir. Concernant l'intérieur maintenant, hop, donc vous avez lissé, vous appuyez ici, hop, vous ouvrez le volant, vous fermez la porte. Vous pouvez ouvrir la porte, descendre le pare-soleil, ouvrir la porte de derrière, la fenêtre de derrière. Ici, hop, je clique, ça me descend le relevage avant, voilà. Je reclique ici, c'est parfait. Voilà, parfait, impeccable. Alors, ce tracteur a une particularité que j'apprécie énormément. Touche L, vous mettez les rétroviseurs, parce que là tu vas me dire ouais c'est rien d'exceptionnel, mais si vous cliquez sur le clic gauche, vous restez appuyé, vous bougez la souris, regardez, vous pouvez régler les rétros, vous pouvez même les rentrer, hop, voilà, on peut régler entièrement les rétroviseurs de ce tracteur à l'aide du clic gauche de la souris pour le gauche et du clic droit de la souris pour le rétro de droite, et ça je trouve relativement sympa. Et il a pensé aux personnes ayant une petite config. C'est à dire que si vous appuyez sur L, vous les désactivez si vous laguez ou pas, quoi. Moi j'ai aucun problème personnellement, donc ça c'est quand même quelque chose que moi j'ai vachement apprécié, hein, pouvoir régler ces rétros comme ça. Je trouve ça vraiment super super sympa, vraiment bien pensé. Ça c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose, touche N, hop là, vous passez en roue étroite. Après, c'est le même cinéma, vous descendez, vous pouvez le jumeler. Voilà, ça c'est vraiment bien, impeccable. Vous retournez dans le tracteur, vous appuyez sur la touche J, vous pouvez enlever complètement le relevage à l'avant. Donc là maintenant vous descendez par exemple, vous appuyez sur la touche R et là vous passez le tracteur vraiment en full chargeur frontal, pas de relevage avant et tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment super sympathique. Alors, son comportement sur la route, il faut savoir que c'est un tracteur, comme vous pouvez voir, il a la cabine suspendue, hein. Vous pouvez le voir, la cabine bouge et tout ça. Et ce qu'il a aussi d'exceptionnel, c'est que c'est un tracteur qui a le pont avant suspendu. Là, vous pouvez le voir, le pont avant, il est suspendu. Hop, c'est vraiment super cool. Pont avant suspendu, suspension de la cabine.
Particules dynamiques également, hein. Je veux dire, ça c'est... Là vous pouvez vraiment bien le voir en fait, comment qui se comporte. Vous pouvez voir que l'angle de braquage est assez impressionnant quand même. Il braque vraiment sur place quasiment ce petit Maxum. Vraiment très très maniable, rien à dire là-dessus. Hop, le bruit, moi j'apprécie énormément le bruit, je vous laisse écouter. Voilà, il a vraiment un bruit relativement sympa. Quand il est au travail, c'est encore mieux. C'est-à-dire que vous êtes à la herse rotative ou autre, ou au combiné, ça fait, il fait vraiment un magnifique bruit. Bien sûr, particules d'échappement dynamique, hein, quand on accélère et on recule. Il a également, alors, les lumières, je vais vous montrer ça. Touche 5 et touche 6, voilà, éclairage. Un bel éclairage, voilà, clignotant. Également fonctionnel, hein. Voilà, hop, ok, ça c'est parfait, ça c'est classique, le gyrophare, voilà, on va couper les lumières. Après, ce qu'il a quand même de pas mal, c'est la salissure, c'est une salissure bien complète. Alors qu'est-ce que j'appelle bien complète? C'est-à-dire il se salit bien, il se salit partout, c'est-à-dire là vous pouvez voir qu'il se salit même sur le toit, d'accord. Donc ça c'est vrai que il y a des fois des beaux tracteurs, le seul défaut qu'ils ont c'est qu'ils ne salissent pas sur le toit. Ensuite vous pouvez voir qu'en vue intérieure il se salit sur les vitres également. Voilà. Donc ça c'est un bon point en plus, tout simplement. Après vous pouvez voir comment il se salit, hein. Il se salit absolument partout, hein. Ce que je veux dire c'est que, hop, attendez, touche contrôle, voilà, vous pouvez voir il se salit bien au pont en bas, il se salit vraiment absolument partout, quoi, du bas en haut. Même les arceaux du jumelage se salissent, le pont arrière, tout ça, l'intérieur, l'extérieur des jantes, l'intérieur de sous les garde-boue, tout. Franchement, il a quand même bien poussé sa salissure parce qu'il le fait lui-même, il faut le savoir. Après, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'ai perdu le fil, donc je vous ai parlé de la salissure. Alors après, oui, donc je vous ai dit, hein, c'est un tracteur de 110 chevaux, donc c'est plus un tracteur à usage polyculture-élevage, comme j'ai envie de dire. C'est plus un tracteur qui sera plus adapté sur vos petites exploitations. C'est un tracteur qui peut tirer une benne, qui peut quand même labourer tout ça. Mais après, il faut pas oublier que c'est un 110 chevaux. Donc du coup, vous allez pas pouvoir lui mettre une 5 fer au derrière, ça c'est logique. Ce que j'aime bien aussi de la part de LBC, c'est que quand il fait un tracteur de 110 chevaux, il fait réellement 110 chevaux. Parce que vous mettez une 6 corps au cul, il avancera presque pas, ce qui est réaliste. Que vous avez des fois certains tracteurs, il fait, je sais pas, moi, 50 ou 60 chevaux, bah tu tires une 5 fer avec, ce qui est techniquement pas possible. Donc il est vraiment bien réglé niveau de la puissance, niveau bruit, il est bien fait aussi. Pont avant suspendu et tout, franchement, moi je vois pas ce qu'il aurait pu mettre de plus personnellement. Et la chose importante qu'il faut savoir, c'est que la taille de ce mode fait moins de 50 mo. Il fait 49 et des brouettes. Il est hyper fluide. Il m'a dit qu'il l'a optimisé pour les petits PC également. Donc ça, je trouve ça important et je trouve ça sympa de sa part, parce qu'il aurait pu faire le gros salaud, dire j'ai une config d'enculé, excusez-moi d'expression. Donc du coup, ben, je fais un haut niveau de détail comme ça, voilà, il n'y a que les gros PC qui peuvent jouer. Non, il n'a pas fait ça, il a vraiment fait que tout le monde puisse jouer avec. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa, honnêtement. Rétro qui s'ajuste, échappement dynamique, roue étroite, jumelage, roue classique, jumelage, basse pression, non, parce que je vois pas, il aurait pu mettre des pneus basse pression, mais moi je trouve ça non, parce que sur un 110 chevaux, j'ai rarement vu qu'on mettait des basses pressions, après c'est mon avis, et moi je trouve vraiment que l'utilité de ce tracteur, c'est vraiment pour avoir un chargeur frontal, pour curer le fumier, charger de l'ensilage, charger du fumier, ramasser vos bottes, il braque, mais vraiment c'est... Pour ranger des ballots avec, c'est vraiment le top, hein. Vous pouvez voir cet angle de braquage qui est vraiment pas mal du tout. Honnêtement, hein, avec le pont avant suspendu et tout, vous avez vraiment un bon ressenti. Compteur de vitesse naturellement qui fonctionne et tout le bordel. Là, vous pouvez voir, hein, maintenant que j'ai braqué, c'est... Attention, hein, ça braque, hein, il rigole pas. Et un truc aussi, moi, qui est quand même important de signaler, des fois, des tracteurs qui braquent bien, vous savez, vous avez la roue qui rentre dans la carrosserie. Et ben là, non, il a vraiment ajusté ça au poil pour pas que ça touche rien du tout. Et moi, je trouve ça important parce que ça donne un côté réalisme en plus. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour la présentation du Maxum. Il me semble pas que j'ai oublié quelque chose. Il se peut que j'ai oublié un truc.
Parce que bon, c'est sûr que le créateur, lui, forcément, ben, connaît plus de choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, je n'ai pas un papier, un calepin où il m'a tout noté dessus et je dis tout. Il m'a envoyé un truc, mais je le fais vraiment de moi-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire cette vidéo, j'ai quand même joué un moment avec pour trouver toutes ses caractéristiques, trouver ses qualités, ses défauts et tout ça. J'ai joué un moment avec, voilà, avant de faire cette vidéo-là, tout simplement. Voilà. Après, ouais, c'est un peu, c'est tout ce que j'ai à dire. J'étais en train de réfléchir. Voilà, je vous ai vraiment parlé de la plupart des choses qu'il fait. Donc, comme dit, j'ai pas dit, bon, il vaut 60 000 euros à l'achat. C'est un tracteur pour moi qui est vraiment polyculture élevage. Vraiment, c'est un tracteur qui est fait pour ça, qui est maniable, qui est polyvalent. Voilà, qui est polyvalent. Il n'y a rien à dire là-dessus, tout simplement. Donc, comme dit, pas de lien dans cette description de vidéo parce que le tracteur sort normalement le 19 juin, d'après LBC Modding, voilà. Donc, il n'y aura pas de lien pour le moment. C'est une vidéo preview, c'est-à-dire que je fais une présentation à l'avance de ce case. Comme ça, le jour de sa sortie, je mettrai sur mon Facebook et je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez le lien au moment de sa sortie, tout simplement. Comme ça, vous pourrez le télécharger et en profiter, voilà. Donc je tiens encore une fois à faire une petite parenthèse très courte, s'il vous plaît. Un grand respect pour lui, parce que franchement, il aurait très bien pu faire ce mode et le garder pour sa tronche. Il le sort, donc c'est vraiment sympa pour nous de pouvoir avoir un tracteur en DL. Voilà, c'est un modeur français, il débute, mais franchement, il arrive quand même à faire des très bons trucs. Honnêtement, moi je dis respect à lui pour ta première sortie DL. Voilà. Moi, en tout cas, je te félicite. Merci à toi, LBC Modding, de m'avoir laissé présenter ton véhicule et de les tester. Voilà. Et je vous dis, bah écoutez, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, franchement, je trouve qu'il est top. Voilà, j'ai presque rien à lui redire. Il est vraiment bien ce tracteur. Et bah écoutez, les amis, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Date de sortie du mode, le 19 juin. Voilà. Allez, salut tout le monde.